Bonsoir à tous mes très chers alcooliques et bienvenue pour le nouveau stream. Oui, je sais, je suis à la bourre. Mais c'est parce que le gala de danse de ma fille qui devait durer jusqu'à 22h30 a finalement duré jusqu'à minuit. Bon, voilà. Voilà. Donc du coup, je suis en retard. Mais c'est pas grave, parce que je suis quand même là et que vous êtes là. Bonsoir Pierrot, bonsoir Zécrinos, bonsoir à vous tous. Ça va pas. Bonsoir à vous tous, viewers de l'ombre qui êtes en train de débarquer sur la chaîne, je ne vous oublie pas. Et bienvenue du coup pour la suite des aventures sur Elden Fion. La mort est au bout du chemin. Très heureux de vous retrouver pour ces deux derniers streams. Bonsoir Hello. Pour ces deux derniers streams, à part peut-être si mercredi, je suis pas KO avec l'anesthésie générale. Mais pour les deux derniers streams, avant au moins une semaine et demie. Hein. Ce soir et demain. Alors vous portez bien. Est-ce que ma petite s'est bien amusée? Ouais, mais à la fin, elle n'en pouvait plus. Hein. En vrai, c'est de la gymnastique rythmique. Et il y avait des gosses. Il y avait des chignons partout. Quoi. Ils étaient vraiment très nombreux. Elle a fait 4 ou 5 danses. Elle était bien. Bien que c'était court. Tant mieux, et toi, tu t'es pas trop nué? Non. C'était. Bonsoir, Nat. C'était. J'espère que tu vas bien. C'était. Comment dire, avec la deuxième enfant, c'était un peu compliqué. C'est pas facile. Et nous voici ici. Si présentement devant vous. Le retour de Elden Ring. Aujourd'hui et demain. Joie. Un résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Donc on avait fait le fort. J'entends des bruits de pas. On avait fait le taudis de l'ancien. On était allé dans cette zone, on avait tout exploré. On avait fait toute cette partie. On était allé jusqu'au Dragon Bale qui nous a cassé la gueule parce qu'on y allait bien trop tôt. On a rencontré ce charmant Igon. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Bah, du coup, on avait fait le fort et après, je crois que c'était tout. Mais j'ai rien que la partie coquelicot, là, champ de coquelicot, ça nous avait pris pas mal de temps. Donc, il y avait un mini donjon dedans. Pas terrible d'ailleurs, ce mini donjon. Et surtout, on avait fait ce fort. Explorons. Est-ce qu'il y a un chemin, un truc, un bidule, un machin? Et voilà. Pas d'arriver déjà à machin. Un arconique, oh putain. Ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas loot un arconique? Un PNJ ça ou pas là-bas de côté? Je ne sais pas. Et vous? Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Qu'avez-vous fait hein ces derniers jours? Hein. Mon cœur saigne à l'idée de ne pas pouvoir streamer pendant une semaine et demie. Déjà envie de canner. Ouais, toi tu me repères de vraiment loin. Hein. Super, écoute, moi ça fait une semaine que je suis sur Dofus Rétro. Sur Dofus Rétro? C'est quoi? C'est Dofus mais V1, c'est ça? Hey. Il y a un endroit qu'on n'est pas allé. 1.29 et c'est des serveurs Temporis. C'est quoi? C'est comme WoW classique? J'essaie de pas craquer sur le DLC d'Elden Ring, perso. Mais pourquoi? Mais n'hésite pas et craque. J'ai l'impression qu'on peut y aller là-bas. Trop cher.
Trop cher, trop cher. C'est vrai qu'il a 40 balles. Après, il vaut largement les 40 balles. Mais c'est bien des seuls DLC qui me fait pas. Il me fait pas de la peine en y mettant 40 balles. C'est bon, le truc là. C'est des serveurs qui durent 2-3 mois et ils changent tous les principes du jeu, plus des choses totalement nouvelles. Hein. Et à chaque fois, tu dois recommencer un perso en fait. Hein. Attention, monsieur, pour les vous blesser. Hades, tu fais lequel de Hades, le 1 ou le 2, Nat? De 0? Ouais. Alors moi, je pense que ça m'énerverait au bout d'un moment. Le tour recommence à 0 à chaque fois. Tu fais les deux? D'accord. Oh, on est pas mal occupé. Bonsoir, Paladin. Il y a toujours de la place pour une personne de plus. Merci beaucoup pour ton raid. Tu arrives pile poil, on vient tout juste de commencer. N'hésitez pas à aller voir Paladin Breton, bon copain. On peut tourner à la télé? Oui, tu peux. Tu peux. C'est ce qu'on m'a dit, Paladin. Hein? Oh. Comme un phare dans la nuit. Comme un phare. phares. Avec des potes, ça se fait. Oui, avec des potes, ouais. Vous pensez que c'est trop. Vous avez vu, il y a une échelle. Et regardez. Le chacal. Et hop là. Voilà. Ni vu, ni connu. Bonsoir à toi, Paladin. Merci beaucoup pour ton raid. Tu joues à quoi? Alors, soit je m'en souviens pas du tout de ce passage, soit j'ai découvert un nouveau secret. La réponse est je m'en souvenais pas du tout, parce qu'on y est déjà passé. Là on avait récupéré la rune de Marika. Genre ça se temporise, t'as des zones corrompues à faire, tu peux passer tes stuff T2, etc. Alors après Dofus, moi ça fait tellement longtemps... Ouais d'accord. Ça fait tellement longtemps... Soviet République, Worker et Ressources. Comment? Qu'est-ce donc que ceci? Moi sachez d'ailleurs que je... Bonsoir Crevette, j'espère que tu vas bien. J'ai commencé à jouer à Civilization. Vu que pendant une semaine et demie, je pourrais pas streamer. Mais pour aller mieux, je joue à Civilization. T'as des donjons corrompus qui sont des donjons de base avec des stats abusés, de nouvelles mécaniques pour certains. C'est cool en vrai. Et c'est quoi, c'est des serveurs officiels quand même ou c'est des fans qui font ça? Oh non. Un dragon? Ah non, on n'a pas le niveau. Attendez, on va les laisser s'amuser entre eux. Ah! Tu me vois un peu, tu me vois plus. C'est officiel. Ah, oh, j'aime bien. C'est quoi? On va le laisser faire le ménage un petit peu. Hein. Vas-y le dragon! Vas-y! Défonce-les! Ils sont vraiment nazes. Ils lui font que dalle. Vas-y, un petit coup de queue là, on n'en parle plus. Attendez, gomme la moitié. Ah! Ouf! Ouh, ça a piqué ça. Vas-y mon loulou! Ok. C'est qu'ils sont nombreux quand même à vouloir le taper, ce pauvre dragon. Le problème, je préfère pas y aller parce que si j'y vais là, en plein milieu, ça va être la merde. Vas-y. Allez, un petit coup de queue là. Oh là, là. De toute façon, je demande à un dragon de mettre un coup de queue, alors vas-y, profite. Oh, du coup, c'était le gala de ma fille, c'était sympa, mais c'était un peu long quand même. C'était de 20h jusqu'à.
Hello. De 20h, je pourrais faire ça, des emotes coupés en deux. Ah, bien joué ça. De 20h jusqu'à quasiment minuit. Faut voir qu'être dedans ça. Ça résiste quand même. Mais pourquoi contre eux il leur fait jamais. Ah ça c'est pas mal ça. Un petit coup de flamme là. Et l'eau il aurait foncé dans le tas. Moi je suis pas comme ça moi. Un petit coup de flamme. Non mais pourquoi moi il me fait des coups de flamme et eux il leur fait rien. Ça n'a aucun sens. Oui, oh, ouais, pas mal ça. Pas mal. Allez, un petit coup de flamme là, et on n'en parle plus. Un petit coup de flamme spectrale. Non, t'as pas envie. T'as vraiment pas envie, quoi. Ouais, un gros gros. Hein. Enfin, en vrai, on est tous les mobs trop risqués. Par exemple, j'aurais tabassé les mobs un par un quand ils sont isolés. Non, mais moi, je. Je préfère ne pas interrompre ce duel. Bonsoir, Edio, merci pour ton heure. Sa vision est basée sur le mouvement. Il faut surtout pas que je bouge. Ok. Votre message a été applaudi. Ah, parce que j'ai mis un message, moi. Ouais. Moi, j'aime bien voir les autres faire le sale boulot. Oh, bien, joli coup de flèche. Allez, tu les as presque. Allez. C'est honteux. Oh, il a quand même raté avec son arc un dragon qui fait 20 mètres de long. Là. Pourquoi je voulais pas y aller. Salut Max. Mais putain. Il est où le méchant? Il l'a balle méchant. Alors ce DLC, ça fait mal. Le DLC fait mal. Oui. Voilà ma réponse. Malgré le mal, tout va bien. Et justement, tout va bien parce qu'il fait mal. Après, si j'arrive à toucher le dragon, ça serait mieux. Oui. Ah, il m'a one-shot le cheval. Oh, le nul. Bien joué, bien joué. Oui. Tu serais fier de taf, moi je joue une arme colossale sur ma run, incroyable. Enfin il a trouvé le bon coup. Oh ça l'a pas touché, c'est honteux. Je suis bloqué. Tant pis.
J'ai fusionné avec le dragon. Je suis le dragon. Facile. Ce coup de marteau raté qui a permis d'esquiver une attaque, move de génie, tout était calculé depuis le début. J'arrête pas de le dire. Je suis paumé. À peine arrivé, déjà paumé. Hein. J'ai l'air d'être sur ce morceau-là. Ah, je dois pas être très loin de Relana. Hein. Ce boss est le fils du Fatalis. Oh. Ça va, ils sont pas très compliqués. Hein. Oh, une petite arbalète à répétition. Vu qu'il est mort, peut-être son père, on n'en sait rien. Une petite braise de Mesmer. Y a pas de... Non, y a pas de carte. Non, je l'ai... Ouais, d'accord. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, on me dit que je l'ai dans le cul. C'est pas grave. Hein. Je vais faire sans carte. Hein. On va devoir ouvrir les yeux, vous rendez-vous compte. Qu'est-ce qu'il a de mes cibles ? Bonsoir, Solfan, et merci beaucoup pour ton lurk. Après, peut-être que si je prenais cette carte là-bas, là... Ça serait peut-être pas mal, hein. Peut-être cette carte, là... Si je sors, là, et que je fonce tout droit... Ni vu, ni connu... Hein ? Pourquoi pas ? Attendez, je peux monter. Hein, je peux pas monter. Donc mettons un truc ici. Petite fougère pour dire il y a un raccourci là. Et là je peux faire quelque chose avec vous. C'est encore gigantesque. Hein. Je franchement, ce DLC, j'adore. Hein. J'adore ce DLC. Oh, mais tiens. J'ai trouvé. J'adore ce DLC. Hein. Il me perd. Waouh. Il fait que me perdre. Moi, j'aime ça. J'aime être perdu. Comme dans la vraie vie. Tu peux les tuer, c'est déjà bien. C'est déjà bien, oui. Une petite carte là, ça serait pas plus mal. Tu es mort ou vivant ? Visiblement, il est vivant. Vous savez qu'ils sont un peu casse-couilles ? Oh, très très bien le DLC Max. Moi j'aime beaucoup. J'aime ce que je vois. Je suis très satisfait par celui-ci. Je ne suis pas trop d'accord concernant la difficulté du DLC, de ce que les gens en disent. Moi je trouve qu'il est parfait. Ça donne un vrai challenge. Et il suffit d'explorer juste pour avoir de quoi améliorer ses niveaux. Et puis le level design arrive à me perdre, et ça c'est fort. Quand un jeu arrive à me faire perdre dans son level design, c'est que le jeu il est fort. Soit il est mal branqué, soit il est mal branlé, soit il est fort. Et là il est fort. Arrête de bouger, fils de pute! Peut-être que les trash ont un chouïa de PV par contre. Ou font un chouïa mal. Peut-être. Après moi je suis un peu un canon de verre, hein. C'est le premier qui tape qui a gagné. Hein. Super, on y voit que dalle.
gagné. Ah, du coup, un peu dégoûté d'avoir commencé le stream un peu tard aujourd'hui, mais bon. Que voulez-vous ? C'est la vie de parents. Vous le savez. Déjà, les petites, la varicelle, ça va mieux. C'est déjà bien. Au moins, on est tranquille là ce soir. On est jusqu'à 4h30. T'as 60 vigueur et une armure lourde, et tu dis glace canon, j'ai dû rater quelque chose. Exactement. Exactement, mon cher Elo. Bah en vrai, les ennemis, Elo, ils tapent très très fort quand même, hein, quand on y pense. Parce qu'en plus, je suis pas level. À bénédiction, je crois que je suis level 6. Et pourtant, j'explore. Hein. Donc, je sais pas. Cool que ça aille mieux. Ouais. Maintenant que les duels ont passé, on est plus tranquille. Bon, c'est con que je stream demain et qu'après, pendant une semaine et demie, je dois arrêter, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis un peu comme Sardoche avec ce clip. Allez voir les gens, de la vie sociale, mais c'est de la merde. Moi, je veux jouer. Je me sens un peu comme Sardoche là. En plus, c'est vrai. Moi aussi, je pouvais jouer qu'à Elden Ring. La vie serait tellement plus belle. Bah, on n'y a rien, hein. Nada que chic que dalle, à part un truc de l'autre connard de Michaela là. Petite esquille, hein. Petite esquille. Je renonce C1 à mon œil. Ah. Chaque canon de glace peut avoir un panier en titan. Bien répondu. Non, je peux pas. Je peux pas. Ah, je suis niveau 7 en esquive. Franchement, 60 de vigueur, c'est rien. On va taper plus fort. En plus, on y voit que dalle. Hein. Attendez, je vais passer au jour parce qu'on y voit que dalle. Là. Mais non, il a mis la nuit, Michael Abouti. À midi, voilà. Avec le bulle d'envers, j'ai jamais vu en faisant de la coop avec des rangs multi, mais les canons sont plus rares. Ah, on y voit mieux là. Qu'est-ce qu'il est sévère le brouillard par contre. Hein. Ouais. Y'a rien d'autre du coup là. La stratégie chez Tab, j'aime Korn. Putain, j'ai envie de faire une campagne Korn aussi. Sur Total War. Faudrait qu'on finisse la campagne Nurgle. Hein. Tout ça pour monter pour. Bon, après, c'est une esquille, donc une esquille, on dit pas non, une petite esquille. Hein. Mais quand même. C'est vraiment R. Dans les terres des ombres, faut pas que ça soit non plus trop lumineux. Hein. Bah, c'est pas... Alors franchement, ça, Hello, je suis désolé, mais c'est du racisme. C'est pas parce que t'es dans les terres des ombres que t'as pas le droit à voir de la lumière. Hein. Oups, c'est dingue. Non, y a vraiment rien d'autre. Hein. On voit un peu plus clair, non mais c'est ça. Franchement, à ta place, je m'excuse. À ta place, Elo, je m'excuserai. Le R-word, carrément. Ah non, mais moi, je balance. Hein. Moi, je suis un streamer engagé, donc. Bonsoir, Julius. Qu'il y a Fontaine Dingon qui fuit face à un sanglier. Je le laisse pour plus tard. Attendez, on va vite fait, on va fermer les yeux et on va aller chercher la carte. On va faire comme ça. Là. Streamer engagé, ouais, tout à fait. Engagé pour mon fion.
Fermez les yeux, il n'y a rien sur le chemin qu'on va parcourir là. Il n'y a rien. Bon, il y a quand même une petite esquive. Oh, il y a quand même un petit PNJ. Oh, il y a quand même deux PNJ. Je renonçais à mon cœur. Ah, ben t'as pas dû perdre grand chose, toi. Pas politique, rassure-moi. Absolument pas. From places as far and wide as you can imagine. Doubtless it have all come to blows at first. Were it not for the charm kindly made, this is what allows us the work of a... L'interroger sur le casting. Sure enough, in any other circumstance he'd be at our throats. Long ago, Queen Marika commanded Sir Mesmer to purge the Tower Folk. A cleansing by fire. It's no wonder the Hornsent holds the Urtree in contempt. Il n'y a rien, littéralement, 2 ans plus tard. And in this regard, the Tower Folk, they were never saints. They just happened to be on the losing side of a war, but it's still a wretched shame. Wondering about the Horn Sand, true enough. Ok. Missive du moine, que le meilleur l'emporte. Retrouvez-moi à l'est si vous suivez la voie du guerrier. Vous m'y défierez en combat, les mots sont inutiles. Hein. Ah, ça va être un mec où il va falloir que j'utilise les mots et je lui casse la gueule, c'est ça? J'ai un cadeau pour toi. J'ai pété dans un bocal, j'aimerais te l'envoyer, mais il me faut ton adresse. Non, merci. Je peux le garder. Je m'en fous tes proies, toi. Je m'en fous de Michaela. En cas Michaela, je vais le trouver, je vais le tabasser avec mon gros marteau. Though undoubtedly painful, will sear clean the Earth Tree's want. The truth of his claim, which is evidence enough to earn my belief. Go to the misshapen tree in that forsaken place. Blood must spill. Donnez le ragoût de scorpion. What's this? Do you think me in need of arms? Ah, c'est le truc de la vieille. C'est le ragoût de mamie. Brings back memories I'd all but forgot. This, by my troth. Indeed, I think it rather things once broken. Look, my desire. Il m'a donné 3 visages du fourneau. Go to the misshape in that forsake. Comme disait ma défunte, un cadeau, ça ne se refuse jamais. C'est ça. Quand on est poli, on dit pas non. Non, non, non. On va tout droit, on prend la carte et on se barre. On ne fait rien de ce qu'il y a dans cette zone. Rien. Mis à part récupérer cette carte, rien. Ah, mais de suite, on y voit mieux. Ok. On retourne là. Et du coup, on nettoie cette zone. Let's go. Oh, coco, je peux y accéder de là. Hein. On va faire ça. Hein. Oups. Oups. Et voilà. Le problème, c'est qu'il n'est pas poli. Mais si, je suis gentil, moi. Moi, si vous faites des cadeaux, je les prends avec plaisir. J'aime la rien. On va retourner là où on était. On va un petit peu checker de loin ce qu'il y a de disponible. Donc là, il y a ce campement à faire. Là, il y a une grosse écrevisse. Là, il y a l'air d'avoir des ruines. Ok. Des hommes bêtes, ça. Là, il y a des hommes bêtes. Attention, tu pourrais te faire mal. Strike! Du. Ah, mais t'inquiète, j'ai de la pierre d'argent, comme ça il sera bien poli. Quand tu comptes me frotter ma tête avec ta pierre d'argent, c'est ça? Là, ils sont tous morts du coup. Enfin, ils sont pas revenus.
Du fait que le dragon ne soit plus là, ils sont pas revenus. Ok, donc on était là. Il brillera de mille feux. Espèce de bourrin. Je propose qu'on explore cette partie de la forêt d'abord. Joue ce qui frotte ta vernier. Hôte. Juste et moi, ça a toujours été comme ça de toute façon. Il a toujours été fou de moi. Je le comprends. Allez, ces ruines. Est-ce qu'on commencerait pas par explorer ces ruines? On fait ce côté. Mais monsieur! Voilà. Tu es toi-même fou de toi? Non, de Julius. Julius est fou de moi. On va commencer par explorer les ruines de Morte. Ah! Je t'ai vu. Allez, viens. Attention parce que eux ils sont un peu casse-couilles. Hein. Vous avez vu comment j'ai tout esquivé et ce n'est nullement dû à la chance. Hein. Voilà. En même temps, comment ne pas être fou en regardant tes streams. C'est pas faux. Oh, y'a que ça, y'a que des casse-couilles du dimanche. Je suis un ninja. Suppo. Tav tav. Oui, Julius. Je t'écoute. Yes! T'as vu le nouveau DLC de Crusader Kings 3? Pas du tout. Mais je serais curieux que tu m'en parles. Ça fait un moment que j'ai pas acheté les DLC hein, sur Crusader Kings. Bah, par moi, c'est une putain d'idée qu'ils ont fait. Ah bon? C'est-à-dire, vas-y, balance tes infos, balance tes contacts. Bah ils l'ont mal fait, du coup c'est de la merde. Vas-y, je veux des détails, hein. Dis-moi tout. Ok, on a l'air de pouvoir descendre. Là du DLC plutôt négatif. Ouch. Aïe 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 aïe. Ah, les DLC de Crusader Kings 3, c'est pas foufou. Hein. Ça rajoute la peste noire. Oh putain. Ah, mais ça fait pas un moment qu'il est sorti ce DLC. Alors eux. S'il y en a un qui tient un vase, il faut le buter rapido. Ok, vous me saoulez. Quand t'as un grand pire, faut que c'est bon, t'as une alerte. Ah ouais. Ouais, donc c'est un peu casse-couille, quoi, finalement. Je présume que là, il faut que je descende. Je présume que là, dans ce trou, il va falloir que je descende. Hein. Non, pas maintenant. On va continuer à explorer la surface, par exemple. C'est dommage que tu sois passé 5 fois à côté d'un avec un vase qu'on a vu à l'écran et qu'il soit barré depuis qu'il t'a vu. Vraiment dommage. C'est vrai, c'est le cas. C'est vraiment le cas, j'en ai loupé un.
T'as rajouté un système de légende. Ah oui, bah oui, mais ça fait un moment qu'il est sorti ce DLC. Hélas. C'est vrai, putain. Je vais devoir vraiment aller dans une grâce là. Ah, tant pis, on va faire ça. Hein. On va refresh la zone. Mais je suis trop mal stylé de s'en laisser random plus une vie. Maintenant qu'il risque à peine tomber, j'ai le stress qui monte au cœur. Non, mais là ça va, hein, vu qu'on n'est pas randomizer. Il y a un pot là. Ah merde. C'était pas un pot, c'était un panier. Ça compte pas pareil. Hein. J'entends mes Kémon comme il a fait des choses, c'est une légende. Ouais, j'avais vu ça, j'avais vu par contre. Oh putain, encore. Je renonce C1 à ma chair. Vas-y, aboule la chair de Michaela. Il y a 3 mois. C'est pas longtemps, il y a 3 mois. C'est lui. C'était quoi? Pas érudition. C'était par mon épée. Ah, je m'en souviens plus de l'emote. Non, c'était pas ça. C'était ça. Ah d'accord. Bonne mort te fait. Ah oui, c'est un boss. Ah oui. Oh putain, c'est le mec du kung fu. Everybody is a kung fu fighting. Ces moves. Ça veut dire que lui, on va le rencontrer un boss. Les systèmes foutu. C'est vrai que par contre, pour un truc qui date il y a 3 mois. Merci Max pour le clip. De mortefeuille, chapeau de Dan. Combat rapproché. Technique de combat, c'est quoi? C'est de la force, un intel. Les enseignements du groupe chercheur spirituel connu sous le nom de secte mortefeuille ne sont dévolus que à ceux qui sont jugés dignes des valeurs de l'esprit. Les pratiques de cet art de guerre marquaient le début d'un cheminement sur la voie de l'ascétisme. D'accord. Si on trouve un coincé entre le marteau et l'enclume, ah mais non, ça marche pas. Mais non, parce qu'il a directement pris et le marteau et l'enclume sur la tête. Croiser le regard d'un autre être peut subjuguer les sens et entraîner la chute de ceux qui arpentent la voie noble et solitaire des chercheurs. Chapeau couvert de terre et défraîchi par l'éclat du soleil, il est destiné à protéger les yeux de son porteur. C'est où ces trucs? Ninja! C'est stylé. Max. C'est stylé. Il y a plein d'armes stylées. Bon, je suis bien avec mon arme colossale. Hein.
Mais il y a plein d'armes stylées hein, dans le jeu. Ok. Allez. Les cendres qui augmentent de niveau. Et nous qui prenons un niveau aussi. C'est parfait. Bon, essayons de trouver des monsieur vases. Continuons à explorer cette foutue zone. Foutu, ça va quand même. Est-ce que t'as d'autres copains ? Ouais, des petites runes. Alors visiblement, on peut descendre par là. Je pense que c'est le chemin normal. Il y aurait d'autres trucs à récupérer dans ce village de ces morts. Là, à cheval, c'est du sacré golf quand même. Raison de plus pour le faire comme ça. Et je peux descendre par là aussi. Il y a deux chemins pour descendre. Il était clairement agressif. Bon, il y a deux chemins pour descendre. Un qui est un peu plus planqué et celui-là. Le grand trou. Oh le. Ah putain, oui, effectivement. Ne dis pas ton temps, mon temps. Mais il est complètement choco ce pépito là! Non mais calme-toi! Lui il voulait clairement mon cul. Hein. Oh j'ai eu son pagne! Hein. Autour des astères de la tour, symbolisant leur abandon total, une vie d'austérité, de maîtrise de soi, afin de transcender leur enveloppe charnelle et d'atteindre le rang des divinités tutélaires des terres, ces ermites mettent leur spiritualité à l'épreuve au travers d'un entraînement rude et rigoureux. Eux je pensais qu'à la base il y avait un tour qui était sorti sur eux. Petit esquille! Je pensais que eux, en fait, c'était des. En fait, je pensais que c'était Godwin. Hein. En fait, c'est juste des mobs un peu classiques, mais. Pourquoi tu as eu l'idée d'enlever le paille ? Ben, pour le mettre au moi-même. Hein. Maintenant, c'est plus son paille, c'est mon paille. Au moins, on a vu directement ce qu'il y avait en bas. Hein. Non, ça marche plus comme ça, Hello. C'était pour le randomizer. Ça ne marche plus. Ayez pitié, j'ai plus une thune. J'ai plus d'argent. C'était pour le randomizer. Ça va. Oh! Vous avez le goût du risque, hein? Après, moi, si ça se passe comme ça, je veux bien ressauter, encore une fois. Merci beaucoup, Hello, pour le sub offert à Alex. Moi, tu sais, Hello, si tu veux faire ça comme ça, je vais me jeter, là, encore. Merci beaucoup, Hello. Où sont mes runes? Elles sont là. Vous savez que, d'ailleurs, vous êtes... Il manque un sub et un de niveau 1 et on aura une nouvelle emote animée.
Ça passe même pas au Wizbot, le pauvre. Pas au Wizbot. Augmente la puissance des compétences de coup de pied d'écrasement. Les pierres angulaires servent d'ancrage spirituel en route qu'elles maintiennent. Vous avez le goût de risque, hein ? Ben merci beaucoup, Loulous, pour le sub offert au Wizbot. Merci beaucoup. Bah du coup, on a une nouvelle emote animée. Voilà. Va falloir que je travaille sur une nouvelle emote. Vous allez encore me faire bosser. Qui l'a offert ? Je sais pas, Max. Il y a eu tellement de subs offerts. Merci, Julius. Hein. Lorsque cette pierre éclata, la ville qui l'entourait s'effondra dans un trou béant et important, selon dire la lune dans sa chute. Ok. Je pense qu'on va descendre. Vous avez le goût de risque, hein ? Merci beaucoup, Hello. Ah, ça y est, ils vont craquer, là. Ah, putain, il y a un train à hype. Encore ? C'est le 8ème en un mois. Merci beaucoup, Hello, pour le sabot faire avec tout. Il est pas en cours, non ? Il est pas en cours ou il s'est lancé ? J'ai pas vu. Quelqu'un d'autre, François, j'ai rien dit. C'est pas grave. Je prends quand même ton argent, tu sais. Ça va très bien. Hello a rien compris. Non, mais c'est pas grave, même s'il a pas compris, moi je trouve ça bien, moi. Moi je trouve ça très bien même. D'ailleurs je t'ai pas dit Jules, mais il fallait que je t'en parle. T'as un nouveau copain modérateur maintenant. Tu le verras s'il vient ce soir. Hein. Tu sais ? Bon tant mieux alors. Je sais lire. Ben, je sais pas. Je sais pas. Il me reste 2 jours d'adamant si vous voulez. Ici, laissez-moi ça une goutte. Et une petite dernière pour la route. Bon, mais descendons par là. Tout d'abord, gauche. Obligé de rendre... Ah ouais, mais la gauche, tout d'abord est, puis ouest, voilà, c'est mieux. Alors à l'est, c'est là. Non, c'est là. Waouh, j'ai bien fait de venir ici. Hein. Putain, Hello, tu peux pas savoir ce qui me tarde de faire le randomizer avec le... Avec le DLC, hein. Oh, j'ai trop envie. Ah ben ça me ramène ici. D'accord. Peut-être demain je dois faire 50 km tout ça pour aller voter à RN. J'en peux plus de type. Il me fait craquer. On va aller dans le petit trou. Vous votez bien évidemment qui vous voulez. Hein. Nous l'avons volé. Tout notre argent, donnez tout, ah, tout ce qui reste en carte bleue, chèque, liquide, donnez tout. Merci. Bienvenue beaucoup. Dans mon auberge. Ah, merci beaucoup pour le follow. Le commandant Nil est pire boss que j'ai jamais vu de ma vie. T'as pas vu les autres alors. Et merci. Merci pour ton follow et merci beaucoup à Max du coup qui vient d'offrir un sub prime à Kane. Merci beaucoup. Ah non, à renouveler l'abonnement cadeau. Ah non. Merci beaucoup d'avoir pris un sub. Et du coup, c'est le train de la hype. Incroyable. Mais quelle raclure de bidet. J'ai encore glissé. Je pensais pas que ça tombait. Merci Kaina. Mais merci à vous. Hein. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Bonsoir, Valco. Valco qui est en vacances. Oh, on est pas mal occupé. Des bonnes vacances. Il y a toujours de la place pour une personne de plus. Ah, ça y est, là, c'est le moment où tout le monde arrive. Merci beaucoup, Zélire, pour ton raid. Merci beaucoup. Bienvenue dans mon auberge. Et merci beaucoup. Pour ton follow.
Bonsoir Itza. Tu joues à quoi? Sur quoi étais-tu donc? Bienvenue à ma petite bourgade, à la petite taverne. Une petite seconde. Fur toi-même. C'est toi le fur. N'hésitez pas à suivre le SO que je vous ai mis. Bonsoir Kaisus. Ça fait plaisir de te voir. On lâche le petit follow. Hein, on fait comme ça. On va voir Zélire. Qui joue à tout ça? Ah, ça, ça a l'air d'être un bon jeu, ça. De rien. Merci beaucoup. Belle jute, si je peux me permettre. Ah, c'est la deuxième, là. Ça se voit que je suis un peu fatigué, hein, du coup, ce soir. Merci infiniment de ta part de m'avoir envoyé tes petits copains chez moi. Faites ça. Petit follow. Est-ce que je suis pas en train de me faire casser la gueule, là? Si, putain! Eh, calme-toi! J'avais des runes à récupérer. Astral Party, c'est un Mario Party like. Ah bon? Je connais pas du tout. Comment vas-tu, Kaisus, ça? Hop, je me remets bien. Tiens, on va en profiter pour prendre la petite bénédiction. C'est bien, on a pris deux niveaux. Hein. Bonne soirée, Julius. Si je fais annuler l'abonnement, ça annule juste le renouvellement automatique ou il faut mettre une autre maladie? Je pense que ça annule l'abonnement automatique, c'est tout. Du coup, tu joues à quoi, Zélire? Est-ce que tu joues à Elden Ring aussi? Parce que j'ai vu que dans ta liste de jeux, il y avait Elden Ring. Qui c'est qui a failli chuter comme un gros caca encore? C'est un peu haut quand même, non, là? Ça m'a l'air d'être un peu haut si je chute d'ici. Il faut peut-être que je reprenne le chemin tout à l'heure. Je jouais à Elden Ring, alors. C'est quoi? C'est ta première run? Tu connais bien le jeu? Tu es sur le DLC? Tu n'es pas sur le DLC? Balance tout. Tout était calculé. Tout depuis le début. Comment ça va, Kefus, ça? Bah tiens, quand on parle du jeu, on a voir la queue. Bonsoir, Kane. Kane! Qu'est-ce que tu es nul en maths? Heureusement que non, parce que en tant que croupier, ça la fout très mal. Hein. Comment ça, on parle de moi? Ah, parce qu'il y avait Julius qui était passé et je lui disais qu'il avait un nouveau copain, un modérateur. Prends-toi. Et en plus, il y a ce cher Max qui vient de renouveler son sub que tu avais grassement offert. Oh les casse-couilles du dimanche! Oh les casse-couilles du dimanche! Je vais me passer Mesmer. Ah, moi j'y suis pas encore, Mesmer. J'y suis pas, on s'y dirige tranquillement. Mais vu que j'ai payé, ça va annuler le transfert parce que c'est pas mon but, je sais pas. Les arcs dorés. Un katana spirale inspiré d'une sorcellerie des inquisiteurs de la tour. Vous libérez une procession d'arcs dorés d'un geste du bras. L'apparence des arcs évoque des aiguillons, symbole par excellence de l'extraction douloureuse d'informations. Ok. Merci beaucoup pour le train de la hype. Hein. Vous êtes des amours. Hein. Quel homme ce Max. Bah oui. Descends tranquillement. Ça m'a l'air vachement profond quand même, cette histoire. Sinon, je te lurque, mon cher tavernier. Tu me lurques? Moi aussi, je te lurque la tête. Pour la gloire des bonnes binouzes. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup de ta part. Voici-vous que je t'ai offert un sub de 3 mois, j'avoue. Je sais pas. Vous avez tellement donné, vous savez, je ne sais plus à force. Je ne sais comment vous remercier. Ces fleurs nimbées d'ombre et recouvertes de ronces impénétrables sont en fait de véritables sacralités à l'instar de l'arbre occulte. Couché. Ça descend vachement